Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 janvier 2021, 17h-27h du Québec. J'espère que vous allez bien. On se pose la question est-ce qu'une forme de vie extraterrestre a fait un détour dans notre système solaire en 2017 Ça nous est rapporté par DNYUZ, que j'aime bien. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Est-ce que c'est le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre se demande-t-on. Le 12 novembre 2018, Avi euh, Loeb, alors président du département d'astronomie de Harvard, et un jeune associé de recherche, euh, Samuel Bialy, ont publié un article dans le très prestigieux Astrophysical Journal Letters, affirmant que les humains ont peut-être découvert la première technologie sous la forme d'un objet mystérieux appelé au moi, moi, tout le monde s'en rappelle, hein, qui a traversé le système solaire l'automne précédent 2018. Les journalistes ont afflué à sa porte. Je n'étais pas l'un d'entre eux car je pensais que cette affirmation était intelligente et audacieuse, mais tirée par les cheveux. Et je le fais toujours autant que je souhaiterais que ce soit vrai. Peu de ses collègues scientifiques sont d'accord avec lui. Comme l'aube sera le premier à vous le dire dans son nouveau livre, extraterrestrial, qui est en partie euh, des mémoires gracieuses et en partie un plaidoyer pour garder l'esprit ouvert sur les possibilités de ce qui existe dans le monde, dans l'univers en particulier, la vie. Sinon, dit-il, nous pourrions manquer quelque chose d'incroyable comme les responsables de l'Église au XVIIe siècle qui ont refusé de regarder à travers le télescope de Galilée. Sommes-nous euh, scientifiques et profanes Sommes-nous prêts demande-t-il dans son introduction. La civilisation humaine est-elle prête à affronter ce qui suit notre acceptation de la conclusion plausible tirée d'hypothèses fondées sur des preuves que la vie terrestre n'est pas unique et peut-être même pas particulièrement impressionnante Je crains que la réponse ne soit euh, non et que les préjugés dominants soient préoccupants. Au moins au moins en hawaïen pour scout a été remarqué pour la première fois par un télescope sur l'île de Maui le 19 octobre 2017 alors qu'il était déjà en train de sortir du système solaire, étant passé au plus près du Soleil un mois auparavant. Il était venu de l'extérieur du système solaire, de la direction de l'étoile Vega. Personne n'a jamais eu de photo de l'objet, mais à partir de la façon dont sa luminosité variait, alors qu'il tombait apparemment, les astrophysiciens ont pu en déduire qu'il faisait environ un quart de mille de diamètre et au moins cinq à dix fois plus long. L'interprétation d'un artiste, artiste de la roche rougeante en forme de cigare a été largement reproduite sur la base de certains mouvements surprenants de saccadé alors qu'il quittait notre royaume. Les astronomes ont conclu que, que Oumuamua ou ou était une comète étrange ces objets sont souvent accélérés par des jets de gaz qui s'évaporent à leur surface bien que dans ces cas aucun gaz en évaporation n'ait été détecté mais loeb fait valoir qu'il n'est pas plus absurde de supposer qu'au moins un mois était une voile lumineuse un matériau mince qui tire son élan propulsif de la lumière du soleil ou de la lumière des étoiles soit lancé dans notre direction soit ancré comme une bouée dans l'espace ou nous l'avons rencontré sur notre voyage de la planète autour de la galaxie dans quel cas la question séculaire, sommes-nous seuls dans l'univers, a reçu une réponse? Nuance du roman d'Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Raman, dans lequel un astéroïde voyou se révèle être un vaisseau spatial. En effet, les radioastronomes ont entraîné leurs antennes sur Ouma Ouma, mais n'ont rien entendu. Il est juste de dire que Laube, qui a été élevé avec un penchant philosophique dans une ferme en Israël, le fils de réfugiés de l'Holocauste et de l'Europe déchirée par la guerre, est l'un des scientifiques les plus imaginatifs et les plus articulés du monde. Il écrit fréquemment pour Scientific American et lance des articles sur un large éventail de sujets de la cosmologie au trou noir en passant par l'opportunité d'inspecter les atmosphères des exoplanètes à la recherche des signes de pollution industrielle ou même de guerre nucléaire, il est président de la Black Hole Initiative à Harvard et plus précisément président du comité consultatif scientifique de Breakthrough Starshoot, un projet grandiose visant à envoyer de minuscules sondes à Alpha Centauri propulsées à un cinquième de la vitesse de la lumière par des lasers brillants sur les voiles de lumière. Donc vraiment intéressant, je vous laisserai ça dans la boîte de description, est-ce qu'on a eu une forme de vie extraterrestre qui est passée dans notre système solaire?